Bonjour. En fait, on va corriger tout à l'heure l'épreuve de l'école normale de Maroua, école nationale, école normale supérieure, concours d'entrée, session de juillet 2010. En fait, c'est le cycle 1, série informatique, épreuve de sciences physiques, durée 3 heures, coefficient 2. On avait déjà fait l'exercice 1, donc pour ceux qui veulent voir la correction de l'exercice 1, nous avons corrigé cet exercice. Vous allez voir dans la description. Vous pouvez voir la correction de cet exercice dans la description. Maintenant, pour l'exercice 2, nous allons corriger ça tout à l'heure. On dit force avec coefficient de friction. Coefficient de friction, ça veut dire encore coefficient de frottement. Donc, une masse 20 kg sur un plan incliné de 65 degrés par rapport à l'horizontale où le coefficient de frottement est de 0,40. Et une autre masse 50 kg y est suspendue verticalement. Calcule l'accélération du système. Donc nous allons calculer, voilà par exemple le montage. Nous allons refaire ce montage, on va calculer l'accélération du système. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de réflexion Nabla. Et je précise qu'il y a d'autres exercices. Voilà par exemple un autre exercice ici sur le travail énergie. Concevez une balle de fusil qui traverse une masse de 3 kg, une masse 3 kg au repos sur une table. La vitesse de la balle est de 400 mètres par seconde. Lorsqu'elle impacte la masse et 250 mètres par seconde lorsqu'elle traverse la masse. Déterminer la perte d'énergie subie par cette balle au moment où elle traverse la masse, en supposant que 30% de cette énergie perdue a été utilisée pour mouvoir une masse sur la surface de coefficient de friction 0,80. Quelle est la distance parcourue par la masse? Voici notre exercice 4, loi de Kirchhoff, c'est ça ici. On demande de déterminer, calculer les intensités dans les résistances du circuit électrique suivant. Voilà ça. Après ça, il y a deux autres exercices. Voilà les exercices sur le circuit RLC. C'est ça ici. Et voilà notre exercice. Donc, vous avez le temps de chercher ces exercices. Ça ne va pas, vous pouvez d'abord arrêter la vidéo et faire l'exercice. Nous revenons dans notre exercice 2. Nous allons commencer directement. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez pour le moment arrêter la vidéo et faire l'exercice. Et après ça, vous pouvez revenir regarder la solution. 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 Nous allons faire le schéma du montage. On a donc ici un triangle. Et ici, par exemple, on a un angle de 65 degrés. Ici, c'est un angle droit. Et ici, on a une poulie. Ici, on a notre masse de 50. Ici, c'est la masse de 50 kg. Et ici, c'est la masse de... Donc, voilà ce qu'on aura. On a quelque chose comme ça. Et ici, on aura la réaction du support comme ça. Ce sont les forces qu'on applique ici. Ça, c'est la réaction normale. Ici, on va supposer que par exemple, comme la masse, ça c'est la masse M1, on va avoir les forces de frottement. La force de frottement orientée comme ça, ça c'est le petit F qui est orienté comme ça. On va placer un repère ici. Le repère sera orienté comme ça. Ça c'est l'axe des X. Et ici, ça sera l'axe des Y. Et ici, on aura les forces. D'autres forces qu'on aura ici, on aura ici. Ça, c'est la tension du fil T1. Ici, on va mettre la tension T1'. Et ici, on aura par exemple la réaction du support. On aura la réaction du support R' sera ici. Et ici, on aura la tension T2. Ici, on aura la tension T2'. Ici, on aura par exemple ici le poids P2. Et ici, on a le poids P1. Le poids P1, et voilà ça. Et l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici.
Donc ça c'est alpha ici. Ça c'est l'angle alpha. L'angle alpha c'est l'angle qui est là. Donc voilà ce qu'on a. On va commencer notre système. Ça c'est M2. Ça c'est la masse 2. Ça c'est la masse 1. Oui. Donc nous allons d'abord commencer notre système, notre premier système. Donc ce qu'on cherche, on cherche l'accélération du système. L'accélération du système. Donc, le système est constitué de tout l'ensemble ici. Mais nous allons diviser en sous-systèmes. Et chaque sous-système sera considéré comme étant un système. Donc, système 1. Système 1. Le système 1, on va prendre celui de masse M. Solide de masse M1 égale à la masse M1, c'est 20 kg. 20 kg. Voilà notre premier système. Donc, on va faire référentiel terrestre. Terrestre supposé. Galiléen. Donc galiléen. On va prendre maintenant bilan des forces agissant sur le système. Bilan des forces agissant sur le système. On aura ici le poids P qui est égal à mg. On aura ici la force de frottement orientée sur l'axe des x. On a l'aération normale. Et on a la tension du fil P1. Donc voilà les forces qui agissent sur le système. Théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. On a la somme des forces P plus F plus Rn plus T1 égale la masse multipliée par l'accélération. Égale la masse multipliée par l'accélération. C'est la masse M1. Ici c'est le poids P1. C'est P1 ici, c'est M1 ici. Oui, donc c'est M1 ici. On a dit que c'est le solide de masse M1. C'est le premier système avec lequel on travaille. Donc nous allons faire maintenant les projections sur les axes. On va faire les projections sur les axes P. Le vecteur P a pour composante, c'est P1. On a P1x. Étant donné que ici, l'angle alpha est ici, on aura ici angle alpha. Donc, l'angle alpha sera encore ici. Donc on a encore l'angle alpha ici. L'angle alterne interne. Donc on a alpha ici, alpha ici. Donc sur l'axe des x, ça va faire moins p. On aura ici px égale à moins p. Moins p1 sinus alpha. P1y sera égal à p1y. On fait la projection, c'est sur le côté négatif. On fait la projection. C'est ça ici, ça va faire moins p1 cosinus alpha. Donc, plus maintenant F, la force de frottement, c'est égal à Fx qui est égal à moins F, Fy égal à 0, plus maintenant Rn, on a Rnx qui est égal à, on a Rnx qui est égal à 0, Rny qui est égal à Rn, plus donc maintenant T1. T1x qui est égal à T1. T1x égal à T1 et T1y égal à 0. Donc, égal à M1 multiplié par l'accélération. Et l'accélération aura donc MA. On a l'accélération suivant l'axe des x et l'accélération suivant l'axe des y. L'accélération suivant x. Étant donné que le mouvement ici a lieu suivant seulement l'axe des x. Donc l'accélération suivant x est égale à A. L'accélération suivant y est égale à 0. Donc on aura donc le système ci. On a donc moins P1 sinus alpha moins F plus 0 plus T1 égale à MA. M1A. Ici on aura moins P1 cosinus alpha plus Rn égale à 0. Voilà ce que nous on obtient pour le premier système. Donc on a ce système d'équation
Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que, bon, nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, on a le coefficient de friction. Donc, c'est le coefficient de frottement dynamique. Parce que ici, il y a mouvement. Il y a deux types de coefficient de frottement. On a mu égale donc à F sur Rn. C'est égal à F sur Rn. Donc, nous allons tirer F ici dans l'expression-ci et on va aussi tirer Rn ici. Donc, ça va donner, si on tire F ici dans l'expression-ci, ça va nous donner quoi? Ça, c'est mu d, coefficient de frottement dynamique, ou bien le coefficient de friction. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le coefficient de frottement statique quand il n'y a pas de mouvement. Donc, ici, il y a un mouvement. On va donc parler de coefficient de frottement dynamique. C'est égal à F, donc composante tangentielle sur composante normale. Ça sera donc égal à, on aura donc ici, on va tirer F ici, on envoie ça ici, on envoie ça ici. Ça va faire moins P1, sinus alpha, plus T1, divisé par P1, cosinus alpha. Voilà ce qu'on a. Et on peut donc tirer, on peut faire produit de manière le produit extrême. Ça va donc faire mu P1 cosinus alpha égale à moins P1 sinus alpha plus T1. J'ai oublié ici de mettre l'accélération. Ici, là, je devais avoir moins M1 A. Moins M1 A. Donc, voilà ce que j'ai. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tirer donc T1. Je vais tirer T1. Donc, T1 est égal à quoi? T1, on va tirer T1 ici. On va envoyer tous les autres de l'autre côté. Ça va faire mu. Mu. P1. Sinus, cosinus alpha. Cosinus alpha. Plus P1 sinus alpha, P1 sinus alpha, plus M1 A, voilà T1, voilà ce qu'on a, voilà T1. Et maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? Voilà T1, on va maintenant faire que, on va maintenant, système 2. Donc garde d'abord la réponse à système 2. Fil inextensible, tensible, fil inextensible, ça va donner, si le fil est inextensible, c'est-à-dire il s'agit de ce fil c'est inextensible, donc on va dire que T1, il y a la condition d'équilibre ici, ça là est égal à ça, donc T1 égale à T1 point. Maintenant système 3, ça c'est système 2. Système 3. Système 3. Poulie. Donc, si la poulie, on va dire que le moment, on a deux forces qui s'exercent. On a trois forces ici au total. Sur la poulie, on a trois forces. On a T1', T2' et R', la résistance de la poulie. Donc, on aura maintenant pour la poulie, on va utiliser le moment, étant donné qu'il y a rotation. Moment par rapport à delta de R prime plus moment par rapport à delta de T1 prime plus moment par rapport à delta de T2 prime égale à 0. Donc, le moment par rapport à R, ça rencontre l'axe. R rencontre l'axe, donc ce moment est égal à 0. Donc, le moment de delta par rapport à R prime égale à 0 parce qu'il rencontre l'axe. Maintenant, on va choisir un sens positif. Le sens positif, ça sera le sens ici. Positif, donc ça veut dire que le moment, et ici on va dire que ça là c'est petit r. Ici par exemple, comme ça là c'est petit r. Donc on aura par exemple ici le moment de delta par rapport à T1 prime égale à moins T1 r. Le moment par rapport à delta de T2 prime égale à T2 prime. R. Donc, on aura donc, ça va donner
moins T1 prime, R plus T2 prime, R égale à 0. Ça veut dire que T1 prime égale à T2 prime. Donc voilà la relation qu'on a ici. T1 prime égale à T2 prime. Maintenant, on va prendre le système 4. Système 4 ou bien sous-système 4. Le système 4, c'est le fil inextensible. Donc, quand on parle du fil inextensible, voici le fil là, il s'agit du fil ci, inextensible. Donc, on va voir ici, T2' égale à T2. T2' égale à T2. T2' égale à T2. Voilà ce qu'on aura. Et enfin, on aura le système, système 5. Dans le système 5, on aura plutôt le solide de masse M2 égale à 50 kg. Le solide de masse M2 égale à 50 kg. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. En fait, on va détailler le maximum possible. Et à la fin, je vais vous donner des astuces sur comment faire, par exemple, chaque fois que vous êtes en face d'un problème comme ça, pour calculer le coefficient, vous avez vu comment on a calculé le coefficient de frottement. Ici, on a introduit le coefficient de frottement à l'intérieur de l'exercice. Vous allez voir comment on va faire à la fin. Donc, on va dire système maintenant référentiel. Terrestre c'est supposé galiléen. Bilan des forces agissant sur le système. Donc, bilan des forces agissant sur le système. On a donc comme force, on a T2 et on a qui a la tension du fil et on a P2 qui est égal à M2G. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va mettre le théorème du centre d'inertie appliqué au solide 2. On aura donc T2 plus P2 égale à M2 fois l'accélération. L'accélération du centre d'inertie. Donc, comme les fils sont liés, l'accélération sera la même. Et là, par exemple, ce qu'on va avoir, on va donc faire un repère. On fait la projection sur le repère. Donc, voilà ce qu'on va avoir. On suppose que le mouvement va descendre. Donc, voici l'axe des X ici. Et c'est tout. On va faire la projection. Donc, projection. Projection. On aura donc T2X plus P2X égale à M2AX. Donc ici, ça va faire moins T2, moins T2 plus P2 égale à M2A. On va tirer T2. T2 est donc égal à P2 moins MA2. Moins M2A. Voilà ce qu'on passe. On va prendre ça, on va envoyer ici. On va prendre ça, on va envoyer ici. Voilà ce qu'on va avoir. Oh, pour trouver l'accélération, donc, qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est que on a T1 égale à T1' qui est égal à T2' qui est égal à T2. Voilà ce qu'on a. Ce qui équivaut donc à dire que simplement que mu P1 cosinus alpha plus P1 sinus alpha. Donc, ici, j'ai oublié de mettre, ici c'est P1. Hein. C'est P1. Donc ici, P1, oui. Maintenant, plus M1A égale à P2. P2 moins M2A. C'est l'accélération qu'on cherche. Donc, on va prendre ça, on va envoyer ici. On va prendre ceci, on va envoyer ici, on va prendre ceci, on va envoyer ici, ça là, on va mettre ici. On va donc donner on aura donc ici mu P1 cosinus alpha plus P1 sinus alpha moins P2 égale à M1 moins M1
moins M2 fois A. Moins M1 moins M2 fois A. Donc voilà ce qu'on a. Et on peut donc tirer l'accélération ici. L'accélération est donc égale à. On a ici mu P1 cosinus alpha plus P2 sinus alpha moins P1 moins P2. Et c'est P1 ici. P1 ici, le tout divisé par moins M1 plus M2. Donc voilà ce qu'on a. On va donc faire l'application numérique. On va faire l'application numérique. Dans l'application numérique, on va faire l'application numérique ici. On a donc A est donc égal à quoi? Mu c'est 0,4 fois P1. P1 c'est la masse. Masse M1 fois 20 fois G. G on va prendre 10 fois cosinus. Cosinus de 65 degrés. Plus la masse 20 fois 10 fois sinus de 65 degrés moins 50 fois 10 le tout sur 50 plus 20 moins donc on va prendre la calculatrice. On va donc faire, on a ici 0,4 fois 20 fois 10, on fait 80 fois cosinus 65 degrés fois cosinus de 65 degrés. Égal à 33,8. On fait 33,8. Maintenant 33,8 plus 200. On fait 200 fois sinus de 65 degrés. Ça va faire 181. A fait plus 181,26. Maintenant moins 500. Le tout sur moins 70. Donc ça va faire 33,8 plus 181 plus 181,26 moins 500 égale maintenant divisé par moins 70 ça fait 4,07 mètres par seconde carré. Donc l'accélération qu'on cherchait ici, l'accélération, l'accélération est égale à 4,07 mètres par seconde carré. Donc voilà l'accélération du système. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Je m'excuse pour tous les bruits qu'il y a là. Et si vous êtes nouveau, en fait, vous pouvez profiter pour préparer vos concours grâce à ces vidéos de physique et de mathématiques que nous publions constamment et de chimie aussi. Merci.